Alors, coucou tout le monde, pour ce 9e jour du parcours du chemin de l'âme. Bon, je ne sais pas si vous avez le temps de suivre parce que, bon, c'est quand même intéressant. Ça vous permet de... Ben voilà, je vous accompagne dans le processus. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un jour de nouvelle lune. Donc, c'est vrai que normalement, je dois faire une méditation. Enfin, c'est pas normalement. D'ailleurs, il n'y a pas de normal, ça ne veut rien dire hein, parce que... J'avoue que ça m'énerve un peu quand j'entends tout le temps « on va vouloir revenir à la vie normale ». Donc voilà, comme si bah, finalement la liberté d'être soi dépend que de l'extérieur, dépend que de ce qui se passe. Quelles leçons en fait de ce qu'on est en train de vivre et ces confinements successifs. Moi, j'ai pas du tout envie de revenir à une vie normale et j'ai envie de dire, bah, au fond, le confinement a pas changé grand chose dans mes habitudes et dans tout ça. Et au contraire, voilà, ça soutient tout un processus vers l'intérieur. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ça m'effraie un peu quand j'entends des choses. Vraiment, on a l'impression que les gens revivent. Voilà. Alors que, bon, bah, c'est vrai, c'est plus sympa que les bars, les restaurants soient ouverts et tout ça. Mais. Je veux dire, on peut aussi avoir une vie sympa sans tout ça, voilà. Bon, enfin, ça, c'est mon petit mot du jour, et je trouve que, justement, bah, c'est important, parce que c'est en lien avec la carte du jour. Alors, d'abord, quand on fait ce tirage, c'est le 9e jour. D'abord, on est le 9 juin, c'est le 9e jour, on a commencé vraiment, on est dans le suivi, vous savez, jusqu'au 21 juin, jour du solstice d'été. Et le 9e jour, normalement, on devrait trouver la carte de l'ermite, qui est une carte de temps, de profondeur, de guide, d'ouverture, d'isolement, de voilà. Toujours pareil, quoi. C'est comme tout. Vous savez, il y a le bien, il y a le mal, il y a le moins, il y a le plus. Il y a la fréquence, en fait, de ce que l'on voit, comment on le voit, là, le niveau d'énergie, le niveau de conscience. Voilà, c'est tout ça qui est important. Donc, finalement, l'ermite, bah, on peut le voir comme l'isolement, je vais être toute seule, ou on peut le voir comme j'ai la possibilité enfin de rentrer à l'intérieur de moi, éclairer les choses, voilà. Et je trouve que finalement cette carte de la maison Dieu, qui est fort redoutée, hein, je suis la première à la redouter, je libère les lourdeurs de ma vie, je laisse entrer la lumière divine, transcendance, c'est, vous savez bien, la maison de Dieu, la tour de Babel, tout s'écroule, voilà. Donc c'est vrai que, évidemment, tout s'écroule, c'est souvent des choses assez soudaines, assez fortes, avec la maison Dieu, qui nous oblige en fait à changer la structure. Donc aussi bien une structure intérieure qui nous ramène à l'ermite, ou nos structures extérieures dans lesquelles on vit. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui nous permet d'évoluer, c'est le changement et c'est d'aller dans des zones d'inconfort, voilà. Comme on a vécu tous ces derniers temps. Et puis, donc, il y a des gens qui en ont profité, probablement, consciemment et inconsciemment, et puis d'autres qui ont rongé leurs freins et qui ont attendu qu'on leur ramène, soi-disant, leur zone de confort, alors que notre zone de confort, elle est à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est ce qui fait que, justement, quand il se passe plein de choses et tout ça... Bon, c'est vrai que bah, c'est évident pour des gens qui avaient des restaurants. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont été plus touchés que d'autres. Mais moi, je dis, il n'y a jamais de hasard. Donc, selon la situation, on voit très bien qu'il y a des restaurateurs aussi qui ont su tirer leur épingle du jeu, qu'on fait des food trucks, des machins. Enfin, bon, je me dis qu'il y a toujours des solutions et je me dis surtout que, bah, voilà, en fonction du chemin de chacun, on a des choses à vivre, des choses à expérimenter, des choses à comprendre. Voilà. Mais. Ce qui est important, c'est de retenir que cette maison Dieu, elle est là pour... voilà, c'est comme si peut-être à un moment donné, parce que de toute façon, elle fait toujours partie du jeu. Normalement, elle est à la 16e position. Elle fait toujours partie du jeu et elle est là pour nous rappeler... oui, c'est-à-dire que peut-être quand on s'endort un petit peu, voyez, ou on ne se réveille pas, et bah, la vie, elle est là, hop, tout d'un coup, on a un petit coup sur la tête qui nous rappelle, qui nous dit « Oh, peut-être que voilà, tu n'es pas dans la bonne maison », voyez, parce que c'est la maison Dieu, la maison de Dieu. Donc finalement, la maison de Dieu, c'est la maison de notre intérieur. Voilà, voilà pourquoi je vous parle de tout ça, du confinement. Et c'est rigolo quand vous réfléchissez, parce que moi, je ne regarde pas trop les infos. Mais comme en ce moment, je fais beaucoup de routes,
De temps en temps, pour me changer un peu de ma musique, je mets la radio, j'entends toujours les mêmes choses. Et là, on voit bien qu'on est dans le moment où tout se rouvre, en fait, d'accord. Mais il ne faut pas confondre les maisons, voilà. C'est-à-dire que la vraie maison, c'est notre maison à nous, c'est notre intérieur. Voilà pourquoi le Feng Shui, dont on parlera évidemment beaucoup plus longuement le 21 juin prochain, donc je vous le rappelle, inscrivez-vous, c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui va gagner une expertise, et puis qui sait, peut-être que ça vous intéresse de vous former, donc vous aurez des petites surprises qui peuvent être sympas, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc finalement, cette maison, voilà, comme je disais, voilà pourquoi le Feng Shui, puisque ça va être l'étude en profondeur de notre intérieur, de notre maison, pour voir un petit peu qu'est-ce qui déconne, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qui est déséquilibré. En fait, c'est ça finalement, c'est qu'est-ce qui est déséquilibré et qui fait que, eh ben, on ne peut pas trouver cet équilibre, cet alignement qui est là pourtant. Voilà, tout nous parle de ça au mois de juin. D'abord parce qu'on est dans le mois du Gémeaux, donc en plus c'est une nouvelle lune en Gémeaux aujourd'hui, donc quelque part la forte dualité du Gémeaux, hein, un signe qui est double, et donc c'est sûr que voilà pourquoi souvent les signes du Gémeaux ont du mal à aller dans l'action, à se mettre dans l'action, parce que bah, ils sont dans cette dualité, dans ce signe d'air, avec beaucoup de réflexion. Mais la réflexion, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est bien que c'est nos cinq éléments, donc notre air, notre terre, notre corps, notre air, nos pensées, nos émotions. Voilà, enfin, c'est tous les éléments qui ont besoin d'être actionnés les uns avec les autres. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui me fait peur à ce point-là de peut-être aller à l'intérieur, voilà. Quelle structure, en tout cas, quelle structure j'ai besoin de changer aujourd'hui, aussi bien intérieur qu'extérieur finalement, parce que de toute façon, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, si l'extérieur ne va pas, c'est qu'on n'est pas aligné sur ce que nous sommes vraiment. Donc, en changeant nos structures extérieures, on va revenir à l'intérieur. Du coup, on va pouvoir recréer de l'intérieur et changer notre réalité. Voilà. Et c'est à ça vraiment que sert le Feng Shui, parce que du coup, on prend conscience de dans quoi on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut pas voir, etc., etc. Et du coup, en agissant là-dessus, eh bien, on va nous aider à... Voilà. Donc, j'aime bien tirer une petite carte significative pour aujourd'hui, la Maison Dieu, n'est-ce pas ? La Maison Dieu, ouais. C'est vrai, hein, moi, je sais que quand je me tire les cartes, si j'ai la Maison Dieu qui sort, je me dis toujours, oh, yeah, qu'est-ce qui va se passer ? Mais en fait, je vous le rappelle. Et je me le rappelle aussi, du coup, par la même occasion, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. On ne comprend pas toujours... Mais souvent, on comprend assez rapidement ou on comprend plus tard pourquoi on a vécu ça ou ça. Évidemment, quand on est dedans, c'est pas drôle, c'est sûr. Mais ça nous fait travailler l'unité. Moi, je dis toujours, j'ai compris ça. Vous savez, quand j'ai vécu mon gros moment difficile de vie, où donc j'étais en plein divorce, enfin, ce qui était très violent, très compliqué. Donc évidemment, ça m'a fait, voilà, c'est Maison Dieu, tout s'écroule, c'était exactement ça. Et en fait... j'ai travaillé en profondeur. Enfin, ça m'a obligée à faire ce travail d'ermite, quoi. Vraiment à l'intérieur de moi. Et comme je dis toujours, à un moment donné, il y a eu un déclic. C'est-à-dire, je me suis sentie bien, alors que... Mais je ne me lasserai jamais de le répéter pour faire comprendre ça, parce que c'est énorme. Je me suis sentie bien, alors que rien n'allait. Je veux dire, j'étais dans un divorce, rien n'allait. Je n'avais aucune sécurité quant à mon avenir, pour moi, mes enfants, rien de chez rien du tout. Voilà. Et finalement, eh ben, hop, je me suis sentie bien. Et là, je me suis dit, ok, là, t'as compris quelque chose. Et du coup, ça m'a permis, à partir de là, d'être dans une autre position, d'être dans une autre énergie, voyez, et de créer une autre réalité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ah ben voilà, réconciliation. Ah ben voilà. Réconciliation, Pelé, hein, qui est une énergie de feu en lien avec Hawaï, vous savez. Je rééquilibre toutes mes énergies, voilà. Je suis en équilibre. Peut-être que ça, c'est là aussi pour m'obliger à rééquilibrer toute mon énergie, mes émotions, mes pensées, souvent beaucoup mes émotions, voilà, mes émotions. Donc n'oubliez pas toujours de travailler votre colère, tout ce qui ne va pas, faites travailler avec Ho'oponopono, voilà. Moi, je travaille beaucoup avec Ho'oponopono, avec le cheval, et vous verriez, je sens dans ses yeux quand je lui dis « je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime », et même si je lui répète « je t'aime, je t'aime », mais vraiment dans l'énergie, là,
Je le sens dans ses yeux, il est là, il boit mes paroles et ça lui fait trop plaisir, quoi. Voilà. Donc, et encore une fois, c'est un chouette travail pour équilibrer justement ses émotions avec un cheval, parce que voilà, on doit être dans la finesse, on doit être dans l'équilibre, on doit être dans la souplesse, on doit être dans tout ça, parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Donc, je remercie Boléro aujourd'hui. Parce que il me fait bien avancer, parce que j'ai quand même un tempérament un peu de feu. Donc même si globalement je suis quand même réconciliée pas mal à l'intérieur de moi, bah là ça m'oblige à faire un travail voilà beaucoup plus fin. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc réfléchissez à tout ça. Voilà, j'espère que ça fera le tour dans votre petite tête et puis dans tout votre corps surtout. Et puis bah, je vous dis à demain, mais donc j'ai pas envie de m'excuser, je vous dis juste que bah, voilà, c'est pas possible, on a trop de choses à faire, il faut que j'aide David dans les extérieurs, j'ai plein de papiers à faire, et puis il faut que je l'aide parce que là il fait très chaud, donc on est dans les plantations, on est obligé d'arroser et tout ça, et le pauvre il est voilà, il peut pas tout faire. Donc mine de rien, de faire une méditation, bah, ça prend une demi-heure, 3 quarts d'heure, il faut télécharger, il faut faire plein de choses. Et vraiment, je n'ai pas le temps. Donc, pardonnez-moi, ne vous inquiétez pas, mais bientôt, bientôt, je pourrai vous refaire, parce qu'il va y avoir ma yourte magique qui vient de Mongolie, qui sera évidemment sur le terrain et que vous pourrez, voilà, venir voir bientôt, voilà, quand ça sera ouvert, en tout cas pré-ouvert, et je ferai mes méditations probablement de la yourte quand elle sera. Donc, peut-être pas encore, voilà, mais peut-être, voilà, juillet-août, c'est sûr que ça va commencer à, voilà, sentir bon, on va dire, à ce niveau-là. Voilà, allez, je vous bise, je vous souhaite une belle nouvelle lune, n'oubliez pas, c'est on met les énergies pour un mois, hein, c'est la lune montante, donc on est vraiment dans une phase montante, dans une phase positive, donc même si on est dans le truc du Gémeaux qui nous met dans pas mal de dualités, donc c'est pas obligatoirement si évident et si clair que ça. Eh bien, essayez, ben, vous, d'amener la clarté dans cette dualité pour amener la juste et bonne intention. Parce qu'en plus, on est en Mercure rétrograde, tout ça. Donc, voilà, on va sortir, je crois que c'est le 22, enfin, non, le 24 juin, c'est la pleine lune. Et en plus, le 22, on sort de Mercure rétrograde. Bon, là, c'est un petit peu long, alors j'arrête, hein. Allez, salut. À demain.